Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que toute votre famille se porte bien. On se retrouve pour une vidéo au Canada. Yeah, 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 yeah. Niveau lumière, ça va me manquer de fou d'avoir de la lumière comme ça. De pas galérer avec la lumière. J'en ai. Voilà. Moi, j'espère que vous allez bien. Pour nous, tout va bien. On est sur le 6e jour, nous. Jour 5. Cinquième jour. Tout s'est bien passé. De toute façon, Iliana vous a vlogué jusqu'à aujourd'hui. Vous le verrez dans le vlog sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir avant, après. On n'en sait rien. Mais moi, on m'a envoyé beaucoup de messages. Mams, je sais que tu es fan de Action. Et nous, à Montréal, on a Dollarama. Donc, on va aller tester Dollarama, bien entendu, à Mams des astuces. On va voir si on trouve des astuces qu'on n'a pas en France. C'est un des premiers jours où vraiment j'ai du mal. J'ai du mal, le jet lag là. Après, on s'est pas arrêté tous les jours depuis qu'on est là. On était à 8 heures dans les rues, on est parti, on a promené. Donc là, c'est 10h30. On a pris chill ce matin. T'as pris comment ce matin? Chill. Chill? Ça va? À la forme? Ouais, moi ça va très bien. Bon, on a loué une voiture hier avec une application Turo. Mais de toute façon, je vais vous faire une FAQ, hein, je vous l'avais dit. Je vais vous faire une FAQ avec toutes vos questions. Au moins, ça sera beaucoup plus simple. Et là, on va prendre la voiture, on va rouler. J'ai trouvé un petit village à 25 minutes de route. Et au retour, on s'arrêtera au Dollarama. Et il faut que je finisse aussi la vidéo. Walmart, retour de course. Oui, vous savez, la MAMS reste MAMS, même au Canada, bien entendu. Il faut que j'aille voir s'il y a des choses que nous, on ne connaît pas. Voilà, voilà, bon, mais on vous embarque avec nous. C'est parti. On est d'accord, on va se rallumer sans cause. Oh, quoi, il y en a un, celle-là. Tu passes une lumière là? Non. Il y en a, oui, mais il y en a d'autres, non? Oh, celle-là, par exemple. Même celle-là. Non, mais. Ah, celle-là, par contre, j'aime bien. Non, mais. Elle est beau, elles sont belles, mais. C'est beau. Oh, regardez ça. Mais en tout cas, j'aurais mangé les meilleurs fish and chips de ma vie. Dans ce petit restaurant, Capitaine Pouf. Vraiment merveilleux. Est-ce que c'était bon? Ouais. Délicieux. C'était trop bon. Regardez-moi ce soleil aujourd'hui. Ah, c'était trop bon. Que tu fais un peu le fou avec ta voiture canadienne. Ouais, j'avoue que... Ça m'appelle un peu. J'avoue que j'y arrive. Bon, les amis, on est arrivé. Dollarama, 1 dollar et plus. Bon, ben on va voir si ça rivalise avec notre action. On verra, hein. on va voir. Ah ouais, c'est complet quoi. C'est un peu des spatules. Ah ouais, c'est complet. En fait, ce qu'on retrouve ici, c'est que beaucoup. En fait, tu auras un truc comme ça, mais tu auras beaucoup différents. Oh, ça c'est trop mignon, ça fait très American vibe ça. Oh, regardez. Regardez comme elle est belle, hein. Regarde comme elle est belle. Regarde. Une cuillère à sucre. Une cuillère à sucre. C'est beau. Vous voyez ça? Mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plein de différents. Ah ouais. C'est génial. Ah ouais, j'adore les amis. Incroyable. Oh, le choix de fou. Mais regardez, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. En fait, tout est multiplié. C'est dingue.
C'est voilà, il n'y a pas que cette couleur, c'est le choix est ouf. Hein? Le regardez. Les du papier zip. Ah ça par contre, ils ont beaucoup ici les pinces à sachet. Ça c'est top ça. Je vais ramener Dollarama en France. Est-ce que vous voulez qu'on les fasse venir en France, Dollarama? C'est incroyable. Mais non, mais regardez, non, mais sac poubelle, ben d'ailleurs, il nous en faut en plus. Mais je sais pas quoi choisir en fait. Sac à roture parfumée lavande. Je sais pas quoi choisir. Compostable. Ah, ils ont des sacs pour le compost. Ah, trop bien. Trop bien. Écoutez, je vais prendre la vanille. Qui veut des éponges à profusion, il y a de tout. J'adore, j'adore. Je suis dans mon univers. Incroyable. Balle de séchage en laine, que c'est ça? On ne voit pas. Incroyable. Vous croyez que ma youyou, elle aimerait les jouer là? Oh, j'adore. Regardez celui-là. Elle aimerait trop ma youyou. Il va lui ramener un cadeau. Ah ouais, venez, je vais lui ramener un cadeau. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh non, j'adore. Oh non, Canada fond. Oh, je veux tout acheter. Je vais faire une fête au Canada. Oh, j'adore. Oh, je kiffe. J'ai une idée, les amis. Je vais vous faire gagner un lot Canada. Vous voulez gagner un lot Canada? Allez, je vous fais un lot. Moi, j'hallucine sur le choix, quoi. Les jouets. Tu sais, il y en a. Non, mais un peu plus gros, le shampoing. On le voit pas. Mets ta main pour vous montrer la taille du shampoing. C'est un peu plus, non? Ah, mais les quantités, c'est incroyable. Ça, c'est les nœuds. Comme. Ça, c'est les nœuds comme elle prend. Ici, là, pour les compétitions de Lana. Regarde. Bon, ici, c'est le domaine de la chips. Ah, c'est incroyable, quoi. La nourriture, ici, c'est... Waouh. Ah ben, si on veut du Starbucks, là, il y en a. Hein? Ah ouais, incroyable. À pied que je prends la cricket. Comme ils sont beaux. Trop beau. Ça se change en deux-deux, en fait. On l'avait découvert, ça. Tu te rappelles si tu les alignes? Tu changes. Faux bois autocollant mural. Regardez comme c'est beau. Ah, pour une tirelire où tu mets des sous chaque fois pour les vacances. Ah ouais. C'est une bonne idée ça. C'est pratique ici, regardez. Ils sont faits direct. Mehdi, c'est pour toi ça. Quand tu fais des cadeaux, ils sont déjà faits. C'est trop beau. C'est déjà prêt. Ben ouais, c'est déjà prêt en fait. C'est déjà fait. On est rentré. Je vais vous montrer un petit peu nos petits achats du jour. Bon, écoutez, Dollarama, franchement, sympathique. Comme vous l'avez vu, je voulais partager. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Vraiment sympa, ouais, ça vaut action largement, les prix sont même mieux. Alors, on a pris deux petits hauts basiques comme ça, il y en a. Alors, 8 dollars, ça fait combien, il y en a, s'il vous plaît? 10 Siri. 8 dollars canadiens, ça fait combien en euros? Ça fait 5 euros, voilà. Donc, ils sont excités ce soir, les camions, là, ou c'est comment? Donc ça va, ça faisait 5 euros. Ça va. On a pris du pain comme ça. On n'a pas trop galéré à trouver du pain. Ça va. Après, tu as pris du
pain spaghetti. Ah mais c'est pour faire des buns. Je te ferai dedans si tu veux. Donc tiens, chérie, tu peux ranger. Après, on s'est pris des on a pris un ananas qui vient de où il vient. Prêt à manger, certifié bio du Costa Rica. Voilà. On va le couper. On a repris des dosettes parce qu'ici dans la maison on a une cafetière que ring. Donc Mehdi s'est pris des dosettes à la vanille. Tu peux me passer vite les bananes parce que ça tangue. Ça tangue. On a pris des bananes. Pour ceux qui m'ont compris, c'est bananes. Voilà. On s'est pris ça aussi. Vous connaissez les pépitas. Mais là, il y a la dose. Des concombres. Des concombres pour faire de la salade. On essaye de manger relativement, comment dirais-je, sain. Ça va. Donc, on arrive à trouver de la salade. Alors qu'à New York, manger de la salade, c'était impossible. Des jelly belly. Est-ce qu'ils sont alors, ils sont piégés ceux-là? Tu peux acheter des Jelly Belly. Oui, des Jelly Belly et des Reese's. Myron s'est pris ce carnet pour aller raconter son voyage. Voilà. Ah, t'as lavé tes mains? Oui. Il est en 3D. C'est beau. Moi, je dis pas un truc, c'est des crises d'être à moi en même temps. Mais oui. Ah, c'est génial. Indiana, elle s'est pris celui-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Voilà. Et je vais vous montrer le lot que je vais vous faire gagner dans cette vidéo. Attendez, hein. J'installe le tout. Tiens, les papiers là. Il y aura ce petit sac à bas du Canada. Cette gourde, les amis. Ces deux petits stylos. Ce magnète. Ce note. Et ce mug. Voilà. Donc je vous mets le formulaire en barre d'infos et puis on fera le tirage au sort une fois rentré. On fera ça. Voilà. Bonne chance à tous. Bonne chance les abonnés. Bon mais écoutez, on a passé une bonne journée encore. On a passé une bonne journée encore dehors. Hein. On rentre relativement tôt. On rentre vers 15h parce que là aujourd'hui c'était un peu plus chill. Mais d'habitude on est dehors dès 8h du matin. On est levé depuis 5h40. Autant vous dire que. Hein? On fait tous les jours l'American Morning. C'est clair. On est levé hyper tôt. Et de ce fait, c'est clair que par contre, on rentre hyper tôt aussi. Ici, la vie s'arrête hyper tôt par rapport à la France. C'est-à-dire qu'à 18h, ils mangent. Et à 15h40, ils ouais, 15h, 16h, ils arrêtent de travailler. Voilà. C'est ce qu'on a compris. Donc voilà. Donc les fins de journée, nous les prenons chill. Chill. C'est fort l'accent parisien. Oui, l'accent parisien, ouais. Et je vous avoue quand même qu'en fin de journée, il fait un petit peu frais. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Hein. En tant que bonne sudiste, je ne vais pas vous baratiner et vous dire qu'il fait chaud. C'est pas vrai. Le baratin, c'est pas pour nous, il fait froid. C'est toi qui es au fourneau ce soir. Je suis jury. Ouais, tu fais quoi? Jury. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Du riz rôti. Ah, du riz rôti? Ouais, je sais pas. C'est des trucs un peu spéciaux, peut-être pas assez. Nous sommes au téléphone avec la France. Moi, ça sera pas content. Nous sommes au téléphone avec la France, c'est ça? Ouais, on est au téléphone avec la France. Incroyable, hein, on est d'accord. Allez, si madame, hein, elle a loupé son riz. Allez. Ah, j'ai plus tout. Qu'est-ce qu'il a eu le riz?